This is my translator around. Yes, I am here. Can you hear okay, me? Okay. So we thank God for today. Amen. Grâce à Dieu pour aujourd'hui. Amen. We really thank God for today. And with today we want to trust God for something very special. Okay, so you want to just open up your spirit, man. Alors, vous allez ouvrir juste votre esprit, votre homme spirituel. Croyez Dieu pour quelque chose de spécial. Can I just say something little about the testimony? Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à, au témoignage qu'on a eu? There was one thing she said that il y a quelque chose qu'elle a dit. She had a friend. Elle avait un ami. Who prayed for her? Qui a prié pour elle. Can you look into your life? Est-ce que tu peux everybody, regarder chacun everybody, please listen. Everybody, please listen. Chacun d'entre nous, écoutons attentivement. Can you look into your life? Est-ce que tu peux regarder dans ta vie? And point out someone you know that you can trust with spiritual matters. Et au moins trouver ou citer une personne que tu penses que tu peux just vraiment. Just one. Just one. Tu peux avoir confiance quand il en vient aux choses spirituelles. Just one. Juste une seule personne. One. One. Une seule. All of us, most of us, our friends are slave queens and slave kings. There is no. Yes, sir. There is no friend we have that in times of trouble we can call or can be there for us. Beaucoup d'entre nous, nous avons des amis qu'on ne peut pas appeler quand on a des problèmes ou qui ne sont pas disponibles quand on a des difficultés. We have to be very careful. On doit être très very careful. Écoutif. On doit être faire attention. We need to be very careful. On doit vraiment faire attention. Oh Jesus. You see, some of these things you don't understand because it has not happened to you before. Et certaines de ces choses comme celle-ci, vous ne pouvez pas comprendre peut-être parce que cela ne vous est pas encore arrivé. And so most of the times when people are serving God with passion, we don't understand. We tend to criticize them and say all sort of things about them. Et alors quand on voit des gens qui servent Dieu avec toute la passion, on ne comprend pas et on a tendance à les juger, à les voir d'une certaine manière. But the day, I always say that, the day one demon, and this one I'm saying, I'm not talking about dreams or visions or trance, the day one demon will appear physically to you when you are alone, you amend your ways. Et le jour qu'un démon, ça ne se peut-être pas dans un rêve, je ne parle pas des rêves, je ne parle pas des trances ou des visions, mais le jour qu'un démon va apparaître dans votre chambre. And you will be very careful. C'est là que vous allez prendre certaines choses au sérieux, vous ferez attention. And so when we gather like this and we are teaching us, we are exhorting us on certain things. Let's take it serious because there is always a time or a moment of darkness for everyone where nobody will be there. Alors quand on est en train de passer du temps ensemble, en train de s'enseigner les uns les autres, prenons cela au sérieux car il y a un moment sombre, il y a des moments sombres dans la vie de chacun d'entre nous et personne ne sera là en ce temps-là de difficultés. Nobody will be there. Nobody. Personne ne sera là. It will be left with you alone. Et tu seras seul. Tu seras seul dans cette situation. Only you. Et toi seul.
Then you know. Then you start to remember all the sermons that has been preached. Et alors c'est là que tu sauras et tu vas commencer à te souvenir de tous les messages qui t'ont été prêchés. You start to remember everything. Et là tu vas te souvenir de toutes ces choses. What if you remember and it's not coming? You don't know how to apply the scriptures because you're not attentive at church. Et si tu n'arrives, et s'il arrive que tu n'arrives pas à te souvenir, tu ne sais même pas comment appliquer les passages, les écrits de la parole parce que tu n'es pas attentif à l'église. Our sister Lucette, God bless you. We are praying with you that devil will not come again. Et notre sœur Lucette, nous disons merci beaucoup et nous prions avec toi et nous prions que ce démon ne va plus jamais revenir. I was the Lord placed the scripture on my heart and I was thinking about it. The scripture says you should either be hot or cold. Because you are not hot or cold, I will spit you out of my mouth. Et le Seigneur m'a mis un passage dans le cœur. Ce passage dit qu'il faudrait que tu sois chaud ou froid. Parce que si tu es tiède, je vais te vomir. He said, I will spit you out of my mouth. Je vais te vomir de ma bouche, je vais te sortir de moi. It means that we are in the mouth of God. Ça veut dire que nous sommes dans la bouche de Dieu. And so if that devil wants to come again, he should go and open the mouth of God. Et alors si ce démon doit venir, il devrait aller ouvrir la bouche de Dieu. Aïe, 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 God, God, God. Somebody type, I know who I am. Type, I know who I am. Say it to yourself. Say it to yourself, I know who I am. I just know it. I know what I am made of. No devil, no demon. Aïe! Alors aucun diable, aucun démon. Today, was it yesterday, after the midnight prayer, one friend texted me from her country and told me a dream she had. Après la prière de minuit, il y a un ami qui m'a écrit du pays pour me dire le rêve qu'elle a eu. Oh God. And I told her that I am not going to pray for you. Et je lui ai dit que je ne vais pas prier pour toi. But I'm going to show you what to do. Mais je vais te montrer quoi faire. Because if that demon comes again, parce que si ce démon là vient encore, and it is in the middle of the night and I'm busy or I'm sleeping or something, what is going to happen? Si ce démon là vient et apparaît encore et que moi je suis en train de dormir ou je suis occupé à faire quelque chose d'autre, vu que ça serait peut-être au milieu de la nuit, qu'est-ce qui va arriver? Jeremiah chapter 29 verse 12. Jérémie 29, 20. I want to show you something from the scriptures. The Bible says, in the New King James Version, said, then shall ye call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. As simple as that. Jérémie 29, 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Et c'est aussi simple que ça. I want us to find confidence in our prayers, okay? Je veux confidence. Que nous puissions avoir la confiance dans nos prières. Have it in your heart and in your mind that God is just there, ready, waiting for you to just open your mouth. Avoir cela dans ta pensée, dans ton cœur, savoir que Dieu est juste là, il est présent et il t'attend à ce que tu ouvres ta bouche pour lui parler. He said, when you pray to me, I will listen. Simple. There is no rhema. Simple. I will listen. Il a dit, quand vous me prierez, je vous entendrai, je vous exaucerai. C'est aussi simple que ça. And so don't ever think that your prayers are small or they are little. Alors ne pensez jamais que vos prières sont petites
où elle n'arrive pas à produire des résultats. Don't let any demon lie to you. Alors ne laissez aucun démon, aucun diable vous mentir par rapport à cela. Don't let any I God. When they come, and I told this friend, I said I'm going to teach you something little about spiritual warfare. Alors, je vais vous enseigner quelque chose par rapport au combat spirituel. When you have an encounter or something very demonic in your dream. Now, let me tell you what the person dreamt about. The person dreamt that she was about to travel to another country. Alors, je vais vous dire un peu ce qui est arrivé à la personne, le rêve qu'elle a eu. Alors, cette personne a eu un rêve où elle était sur le point de voyager à un pays. And before she was about to leave, her biological father said, now that you are about to leave this country, can I sleep with you before you go? Et alors, dans son rêve, quand elle était sur le point de partir, son père biologique, avant de partir, lui a dit, et maintenant que tu es sur le point de partir, est-ce que tu peux maintenant venir et je vais te coucher avec toi? And as at now, all her siblings have gone to school, some are in other cities, so now she is the only person living with her dad in their house now. Et présentement, ce qui est vrai dans la réalité, c'est que tous ses autres frères et sœurs sont déjà dans d'autres villes pour les études. Et présentement, elle est seule, elle vit avec son père dans la maison. And so after she got up from that dream, she did not want to speak to her father. Et quand elle s'est réveillée de ce rêve-là, elle ne voulait plus parler à son père. And I told her, so she was saying that during the whole day, she was finding it very weird around her dad. Very weird. Even though she prayed about it, she was finding it very weird around her dad the whole day. Et alors, elle disait qu'elle a expérimenté comment, durant la journée, elle a juste eu un sentiment bizarre quand elle était autour de son père. And I said that is a demon, that is a familiar spirit. Et je lui ai dit que c'était un démon, c'était un esprit familier. That is a familiar spirit. C'est un esprit familier, un esprit. Because the Lord is about to open a door for you and you need your father's blessing. And so, to prevent you from opening up to receive the blessings from your father, the devil is trying to put a certain kind of enmity between you and your dad. So even if he prays for you, you will not receive the prayer. Et alors, je lui ai juste fait comprendre que il y a des portes, il y a une porte qui s'est ouverte et tu as besoin que ton père puisse prier pour toi afin que tu puisses partir avec une certaine bénédiction de lui. Mais le diable est en train de vouloir que tu puisses avoir ce cœur fermé contre lui. Et même s'il devra prier pour toi à cause de ce cœur fermé, tu ne pourras pas recevoir cette bénédiction de nom de lui. C'est ça le plan du diable derrière. And so I said that, you see, when you study the scriptures, one of the things Jesus does is when Jesus always performs a miracle, he always says that your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe avec Jésus-Christ dans les évangiles, on montre Jésus-Christ quand il a guéri, il a fait quelque chose, il dit à la personne, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé. And so, put that faith at work. Men of God, let us push our members to the war front and make use of the power inside them. Et alors, mets cette foi à l'œuvre. Et les hommes de Dieu, nous sommes encouragés à mettre ou à encourager nos membres à se battre et à aller à la ligne de front. And I say, go into prayer right now. I'm praying also with you, but go and rebuild
rebuke that spirit. Tell the spirit not to come again, and it will obey. Et alors je lui ai dit, va maintenant prier. Et réprimande cet esprit, dis-lui de ne plus revenir et ne va pas revenir. Je lui ai dit que je priais aussi avec elle, mais qu'elle aille prier. That demon will obey. Et ce démon va obéir. And in spiritual warfare, whenever you begin to cast out or rebuke a demon, the demon will reply back in your thought. He will reply. Et dans le combat spirituel, toutes les fois que vous allez commencer à chasser un démon, il va répondre dans vos pensées. He will reply. He will ask you, why should I go? Et il va vous demander, pourquoi est-ce que je dois partir? I mean, why should I go? Pourquoi? That is where you have to stand on your ground and begin to recite to that demon what you are in Christ and what Christ has done for you. Voilà, vous devez vous tenir sur votre terre, vous tenir dans la connaissance de ce que vous avez en Christ et réciter, déclarer ce que vous avez en Christ. And if here is a case you don't know what God has done for you, excuse me, what will you say? It means that you have lost the battle. Et si vous êtes dans une situation où vous ne connaissez pas ce que Dieu a fait pour vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Donc vous aurez déjà perdu la bataille d'avance. But the moment you realize what Christ has done for you, when it becomes a reality and you step up, the demon will know that it is time to depart. Et le moment où vous êtes conscient, le moment où vous savez ce que Christ a fait pour vous et que ceci devient une réalité, les démons lui-même va se dire que non, ça c'est le moment où je dois juste partir. Today, be aggressive in your spirit, man. Be aggressive. Alors, aujourd'hui, sois agressif dans l'homme, dans l'homme. Somebody say, be aggressive. Be aggressive. Sois agressif. Dis-le à toi-même. Sois agressif. Are you ready to be aggressive today? Est-ce que tu es prêt à être agressif aujourd'hui? If you are ready, let me see your shouting. Be aggressive. Si tu es prêt, je veux voir ton cri. Let's go. Because life is spiritual, whether you know it or not. Parce que la vie est spirituelle, que tu le saches ou pas. Whether you know or not, life is spiritual. Que tu le saches ou pas, la vie est spirituelle. Kabadabadabad. Can you pray in the Holy Ghost for 1 minute? Kabadadadaya. My God. In the name of Jesus. We are talking about how to receive the Holy Ghost. Hey, before I even start, thank you so much, the leadership. Thank you, the elders. Thank you so much, everybody who loves and supports me. And thank you, everybody who believes in me. Thank you so much. And my spiritual fathers, Apostle Kelvin, Prophet Salom, thank you all so much for everything. I am very grateful for all the ministers. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup. Je voudrais juste remercier rapidement tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui me supportent et tous ceux qui m'encouragent. Et merci au leadership, merci au père spirituel, l'apôtre Kelvin et le prophète Selon. Merci à chacun d'entre vous.
et merci beaucoup à chacun ici présent. Today I want to draw our attention to something very important that we have taken advantage of, okay? We have just overlooked. Et aujourd'hui, j'aimerais juste attirer notre attention sur quelque chose ou quelques points sur un point sur lequel on a peut-être pas donné, auquel on n'a pas donné beaucoup d'importance. And it is as a result of ignorance, and we don't know, so that is what happens. But I want us to know. C'est dû à l'ignorance. C'est dû à l'ignorance, et voilà pourquoi c'est arrivé. Mais j'aimerais que nous puissions savoir how to receive and be filled with the Holy Ghost. Comment recevoir et être rempli du Saint-Esprit. And excuse me. Please let me also give this question one more time. I am not a teacher. I try to teach, but for today, maybe I will not be able to teach, or I will mix it with preaching of the word. Amen. Et là, alors j'aimerais juste amener à notre attention encore une fois. Je ne suis pas un enseignant. Je vais essayer d'enseigner. And so be very attentive. Faire, comme tel. Oui, mais nous croyons au Saint-Esprit. And take notes. Take notes, please. Et je nous encourage à écrire. Prendre des notes, écrivez. And those of us still lying on the bosoms of our boyfriends, please repent. If our things come. Et tous ceux qui sont dans with the loud voice. De se coucher encore. Ceux qui se couchent encore dans le sein de leurs petits amis, les bons. Amen. You didn't say amen. 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 Tu n'as pas dit amen. So first of all, let's go straight to the scriptures. First of all, the Bible says there is a spirit in man. Et la parole de Dieu dit qu'il y a un esprit dans l'homme. There is a spirit in man. Il y a un esprit dans l'homme. And so we make transactions with our spirit man. Alors nous faisons des transactions avec notre homme spirituel. We do spiritual business with our spirit man. Et nous faisons des affaires avec notre homme spirituel. Because there is a spirit in man. Parce qu'il y a un esprit dans l'homme. Because the spirit is inside of man. If that spirit wants to communicate, it will be from the inside. Parce que l'esprit est dans l'homme, il est à l'intérieur de l'homme, et s'il doit communiquer, cela vient de l'intérieur. If that spirit wants to give direction, it will be from the inside. Et si cet esprit doit donner la direction, ça va venir de l'intérieur. Now, our spirit and the Holy Spirit as born again Christians have become merged. It has become one. Et pour nous croyants, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons l'esprit de Saint-Esprit et notre esprit qui deviennent un. And so apart from the fact that there are other giftings or angels can speak to us or we can see things or know things from outside. Most of the knowings are from the inside because there is a spirit in man. À part le fait qu'on peut avoir des visions, des rêves, des choses qui viennent de l'extérieur, des anges qui peuvent nous parler et tout cela, mais on doit aussi savoir que beaucoup plus de notre connaissance devrait venir de l'intérieur parce qu'il y a un esprit dans l'homme. And so I want to teach you how to be spiritual, how to alors be deep. Je veux vous enseigner comment être spirituel, comment être profond dans l'esprit. So I really want you to pay attention, really pay attention. We will fire prayer as the Lord leads, but pay attention. I really want you to get this.
Et alors, faites attention, et après, on va fumer la prière juste après. Mais faites attention un peu à ce qu'on va dire. Whenever there is a reaction in your spirit man, be careful. Lorsqu'il y a une réaction dans votre homme, être intérieur, l'esprit, faites attention. Because our spirit man is the candlelight of God, it means that it directs our path. We have to be very careful the way we treat our spirit. Parce que votre être spirituel, votre esprit, c'est la flamme de Dieu et elle est là pour nous conduire et elle nous aide. Et alors on doit faire attention à cet être que nous sommes dans l'esprit. And so the Bible is saying that be filled with the Holy Ghost. Now my question is the Holy Ghost a drink? Et la Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ma question est-ce que le Saint-Esprit, c'est une boisson? Be filled with the Holy Ghost. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. And the Bible says, in the last days, I will pour out my spirit. Is the Holy Ghost water, or is he a liquid, or is he a drink? Et il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, et je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit c'est une boisson, c'est un liquide, c'est de l'eau? Now, if only you pay attention, you really understand certain things today. Et seulement si vous faites attention, vous allez comprendre certaines choses. Please, let me follow my PPT for 1 minute, okay? Let's go to the next slide, please. There is a difference between receiving the Holy Ghost and being filled with the Holy Ghost. Alors, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. There is a very big difference, very big. C'est une très grande différence. Il y a une très grande différence entre les deux. Being receiving the Holy Ghost and being filled with Him. Recevoir le Saint-Esprit et être rempli de lui, être rempli du Saint-Esprit. The Bible says Jesus breathed on his disciples and said, "Receive ye the Holy Ghost." La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples et leur a dit, "Recevez le Saint-Esprit." And after that, he gave an instruction that, "Wait till ye are endued with power from on high." Et après, il leur a donné une instruction disant, attendez jusqu'à ce que vous recevez ou attendez jusqu'à ce que vous soyez couverts de la puissance qui vient d'en haut. And the scripture where we saw that they waited till that power came was in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Et l'écriture qui nous montre qu'ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils aient été revêtus de cette puissance, c'est dans Acte 2, 1 à 4. But in Acts chapter 2, the Bible didn't say they received power. The Bible said they were filled with the Holy Ghost. Et dans Acte 2, la Bible ne dit pas qu'ils ont reçu la puissance, mais ils étaient remplis. Follow me carefully. Suivez-moi attentivement. The Bible said they were filled. It didn't say they received power. La Bible ne dit pas qu'ils ont reçu la puissance, mais plutôt elle dit qu'ils ont été remplis. Ils étaient remplis. Like Jesus Christ, the Bible said the Spirit led him into the wilderness. Comme Jésus-Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit, l'a amené dans les déserts. And in the wilderness, he mingled with the heavens, and he was tempted of the devil. The Bible stated specifically that he fasted for 40 days and 40 nights. Et dans le désert, il a communié avec le ciel, il a communié avec l'esprit, et la Bible nous fait savoir que il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. And the Bible said he returned in the power of the Spirit. He returned. Sorry, sir. I said the Bible said he returned with the power of the Spirit. Et la Bible nous fait savoir qu'il est rentré avec la puissance du Saint-Esprit.
The same way in Acts chapter 2, after they were filled, they came out with the power of the Spirit. Et de la même manière, dans Acte 2, on nous fait savoir qu'après être remplis, ils sont sortis avec la puissance du Saint-Esprit. And so they spoke with boldness because they were filled, and the infilling caused a stirring in their inner man, and they came out with power. Et ils ont parlé avec audace parce qu'ils étaient remplis, et le remplissage du Saint-Esprit a incité cette manifestation de la puissance qu'ils avaient en eux. If you are really attentive today, you will walk in dimensions. Et si vous êtes attentif, vraiment attentif aujourd'hui, vous allez marcher dans des dimensions. You will not go for any demon to come and intimidate you ever again. Vous n'allez pas permettre à n'importe quel démon de venir vous intimider, jamais, plus jamais encore. Now, let us before we go deeper, let's establish some few points. You are only qualified to receive the Holy Ghost if you are born again. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on clarifie certains points. Vous êtes qualifié de recevoir le Saint-Esprit seulement si vous êtes né de nouveau. That is the qualification. If you are not born again, forget about receiving the Holy Ghost. Ça, c'est la condition qu'il y a. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, oubliez. And it is very possible to repent and believe in Christ without receiving the Holy Ghost. Et c'est très possible de se repentir et même de croire en Christ sans recevoir le Saint-Esprit. Let's read the scripture. Acts chapter 19, verse 1 to 7. I will be very brief and we will continue. Acts chapter 19, verse 1 to 7. The Bible said that, and it came to pass that while Apollos was in Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, remember, they were disciples, he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be an Holy Ghost. Verse 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. 4. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto people that they should believe on him which should come after him, that is, on Jesus Christ. And so they believed on Jesus. Alors ils ont cru en Jésus-Christ. But because of their ignorance of the fact that there is something called the Holy Ghost, they received him not. Et alors, à cause de leur manque de connaissance par rapport au Saint-Esprit, au fait qu'il existe, ils n'ont pas pu le recevoir. And they were called disciples. It means that they were doing everything a disciple does. Et ils étaient des disciples de Dieu. Donc, ils faisaient tout ce que les disciples font. Jesus. And so, don't be ignorant of the fact that there are people in the church who confess Christ but do not have the Holy Ghost. Alors, ne soyez pas ignorant du fait que dans les églises, il y a des gens qui confessent Christ mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tell somebody, make sure you have the Holy Ghost. Make sure you have. Dis-le à toi-même et dis à quelqu'un d'autre. Rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Good. Make sure you have the Holy Ghost. Rassure-toi que tu as le Saint-Esprit. Let's go to the next slide. Now let's talk about some few things. And now, how do I receive the Holy Ghost? How do I receive this Holy Ghost? Et comment est-ce que je peux recevoir le Saint-Esprit? Comment? Luke chapter 11 verse 13 said, ask that you may receive the Holy Spirit. Et Luke 11, 13 nous dit, demandez afin que vous receviez le Saint-Esprit. So the first one is that you can ask God, give me your Holy Ghost. Et la première chose que vous pouvez demander à Dieu, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Somebody begin to open your mouth right now and say, Father, give me your Holy Ghost. Une personne ouvre sa bouche maintenant et dit,
Père, donne-moi le Saint-Esprit. The Holy Ghost. Donne-moi le Saint-Esprit. Now, a person who is filled with the Holy Ghost can lay hands on you and there will be a transmission. You can receive the Holy Ghost by the laying on of hands from a person who is filled, not any ordinary person. Et alors, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut imposer ses mains sur vous et il peut y avoir une transmission de cet esprit qui est en lui. Et alors, ce n'est pas n'importe qui peut imposer ses mains sur vous, mais une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Thank you very much, Chairman, for posting the scriptures for me. Thank you. It will really help me. Thank you. Now, repentance can bring about the receiving of the Holy Ghost. Repentance. Et on doit aussi savoir que la repentance peut amener à la réception ou au remplissage. Hearing of the word of God. Hearing of the word of God. L'écoute de la parole de Dieu. And so as you are listening to the word of God now, you can receive the Holy Ghost. Et tel que tu es en train d'écouter la parole de Dieu maintenant, tu peux recevoir le Saint-Esprit de Dieu. The Bible said, Paul, yet speaking, the Holy Ghost fell on them. Et la parole de Dieu dit, comme Pierre prononçait encore les paroles, le Saint-Esprit les a remplis. While he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them. Et il dit, comme il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Now, like Jesus breathed on his disciples, you can receive the Holy Ghost through breath. And so don't run away when your pastor is breathing on your head and say receive the Holy Ghost. Don't run away and say, what is this one doing to me? What is this one doing? He wants to spoil my hair. Please, no. He doesn't want to spoil your hair. De la même manière qu'on a vu Jésus-Christ souffler sur ses disciples. Donc, ne soyez pas étonnés de voir votre pasteur quand il prie pour vous et il souffle sur vous, il souffle dans vos cheveux pour que vous receviez le Saint-Esprit. Ne dites pas où il veut détruire mes cheveux, mon fil et tout ça. Thank you very much. Like last week, I was saying, wherever there is prayer, there is spirit. Et comme je disais la semaine antérieure, que partout il y a la prière, il y a l'esprit. When you pray, there will be a spirit. Et quand vous priez, il y a l'esprit. The Bible says Jesus also in the queue being baptized and praying, the heavens were opened and the Holy Spirit descended on him like a dove. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ étant dans la queue, aussi faisant la queue pour le baptême, et il priait et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. And so don't be prayerless, because you can receive the Holy Ghost during prayers. Alors, during your personal prayers. Ne soyez pas des personnes qui manquent de prières, parce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par des moments de prières, au travers des moments de prières. During personal prayers, during corporate prayers, you can receive the Holy Ghost. Dans vos moments personnels de prière ou même dans des moments de prière corporative. And let me establish this point before we fire. Then when the anointing oil is poured, the Bible said that, and Samuel anointed David, and he poured the anointing oil on his head, and the Spirit of God came upon him. Et quand on vous déverse l'huile d'onction, le Saint-Esprit aussi peut vous être transmis, vous pouvez le recevoir, comme on voit dans 1 Samuel 16:13, on nous dit que Samuel a déversé de l'huile sur la tête de David et le Saint-Esprit est venu. And the Holy Ghost came on him. Le Saint-Esprit est venu sur lui. The Holy Ghost descended on him because the anointing oil was poured on his head. Le Saint-Esprit est descendu sur lui parce que l'huile d'onction a été déversée sur sa tête. Now, the Bible says you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Aïe. Et la Bible nous dit vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit power. Soit venu sur vous. La puissance. Power. La power. Puissance. La puissance. Someone is a power. Une personne dit la puissance. You see, there is a way you say that thing and it sounds powerful. Like, you say power. What is power? Power.
Il y a une manière de dire la chose pour que ça puisse donner le son de puissance. Vous ne pouvez pas dire puissance, puissance, puissance. So, puissance. When the Holy Ghost comes on you, what you receive is not money, it is not a car, it is power. Quand le Saint-Esprit vient chez vous, ce que vous recevez, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas l'argent, mais c'est la puissance. You don't know who you are. What comes upon you is power, power, power. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Et ce qui vient sur vous, c'est la puissance. Oh, Jesus Christ. And so after you are born again, and you are prayed for, and you receive the Holy Ghost, the next thing that you have is power. Et alors, quand vous êtes né de nouveau, on a prié pour vous. Et la chose suivante qui arrive, c'est que vous recevez, c'est la puissance. What is your identity? C'est quoi ton identité? Say to yourself, power is my identity. Dites que mon identité, c'est la puissance. When I show up, it is power. Ayaya. When I appear, it is power. Et alors, quand j'apparais, c'est la puissance. Quand je viens, c'est la puissance qui vient. I don't have to speak in tongues for you to know that I have the Holy Ghost. The evidence is power. Je n'ai pas besoin de forcément parler en langue pour que tu saches que j'ai le Saint-Esprit. Mais l'évidence, c'est la puissance. Oh, Jesus. The evidence that I have the Holy Ghost is power. That is why no devil, no demon can harass you. Voilà pourquoi l'évidence étant la puissance. Voilà pourquoi aucun diable, aucun démon ne peut venir et vous harceler. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Power. Vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Jesus Christ, somebody say power, power, power. Que quelqu'un dise puissance. J'ai la puissance. J'ai la puissance. Now I'm going to teach you how to put the power at work. I'm going to teach you. Je vais vous enseigner comment mettre cette puissance à l'œuvre. Now you see, the power inside one believer is greater than any power in this world put together. Alors la puissance qui se trouve dans un croyant est plus grande que toute puissance mise ensemble sur cette terre. You don't believe. Vous ne croyez pas? You don't believe. Oh. Vous ne croyez pas? Jesus. Let me show you a scripture. Je vais vous donner un passage. Colossiens 1, 16 and 17. Colossiens 1. The Bible says, for by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Verse 17, and he is before all things, and by him all things consist, and that he is in me. Colossiens 1, 16, 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Et toutes ces choses subsistent en lui. Et le lui est en moi. I am a container of power. Je suis le conteneur de la puissance. I am a container of power. You are a container of power. Conteneur de la puissance. Tu es le conteneur de la puissance. I was having so many weird dreams and weird encounters and weird visitations. Very weird. I don't want to talk about them. J'avais des choses étranges qui arrivaient, des rêves étranges, des choses vraiment étranges qui arrivaient dans ma vie et je ne veux pas parler de cela aujourd'hui. And I said, when I read the Bible, I never see Jesus Christ being harassed by any demon. So why? Je me suis dit,
En lisant la Bible, je n'ai pas vu un endroit où Jésus-Christ a été harcelé par des démons. Et alors? And so I began to search the scriptures and eat it. Alors j'ai commencé à lire les écritures et j'ai commencé à manger, me nourrir de cela. And the Lord began to teach me, you see, the power that you receive when the Holy Ghost comes on you, it is called dunamis. Et le Père a commencé à m'enseigner, me dire que la puissance que tu reçois quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est, s'appelle dunamis. That was the same power the disciples received after Jesus Christ breathed on them. C'est la même puissance que les apôtres ont reçue quand Jésus-Christ a soufflé sur eux. Now, it is like going to the market to buy vegetables and some meat to prepare stew. C'est comme quand vous allez au marché pour acheter des légumes, vous achetez de la viande pour préparer un mec. Those raw materials you went to buy are not edible. Et les choses ou les matériels, les choses que vous avez achetées, c'est brut, ce n'est pas mangeable de cette manière-là. If you understand, no demon will harass you from today. Et si vous comprenez, aucun démon ne va encore vous. You went to the market to buy food stuff, to prepare food. Vous allez au marché pour acheter des choses qui vont vous permettre des ingrédients et tout cela pour faire un repas. Now you have filled your fridge with all these things. You have filled your fridge with raw materials to prepare food, but they are there. Vous avez rempli votre frigo, votre congélateur de toutes ces choses qui sont pas encore préparées, qui sont encore. You have closed the fridge and you have come to lie on your bed and you are complaining to God that I am hungry. Et vous mettez toutes ces choses dans votre congélateur et vous allez vous coucher sur votre lit et complaindre devant Dieu, dire non, Père, et vous vous plaignez que j'ai faim. Oh Jesus, hey Jesus, you have the raw materials to prepare food, but you are complaining that you are hungry. Vous avez toutes ces choses qui peuvent vous permettre de préparer un repas. Elles sont encore crues dans votre congélateur, mais vous vous plaignez du fait que vous avez faim. It means that number one, you don't know how to prepare food, or number two, you don't know the use of the things you went to buy. Write them down. Il y a deux points. C'est que soit vous ne savez pas comment préparer, soit vous ne savez pas l'utiliser des choses que vous avez achetées. And so the power you receive as a Christian, it is the raw material of the power at work. I'll show you something very soon. Alors la puissance que vous recevez comme un chrétien, c'est une matière brute de la puissance à l'œuvre en vous. And so Jesus Christ said, wait in Jerusalem till ye are endued with power. Wait. Voilà, Christ a dit aux apôtres, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. One of the things you need to prepare the food is fire. Et l'une des choses dont vous avez besoin pour préparer votre repas, c'est le feu. So in Acts chapter 2, the Bible said, there appeared on them glowing tongues of fire. Jesus. Et dans Acte 2, on nous montre qu'il est apparu et ça descendait sur leur tête des flammes de feu. That fire came to prepare, it came to heat the raw material for power in their belly. Et c'est l'angle de feu qui descendait, c'est venu pour préparer. That is what we call being filled with the Holy Ghost. Pour stimuler cette puissance brute qui était en eux. C'est ce qu'on appelle être rempli de l'Esprit. You stay till the fire comes, Jesus. Attendez jusqu'à ce que ce feu descende. Now, with this understanding, everybody unmute your mouth. We are going to fire prayer. Father,
adversité contre l'enfant. Chacun de nous, ouvrons nos micros et nous allons fumer la prière. Nous allons fumer la prière. Et chacun d'entre nous dans sur cette plateforme. We need to walk in power. Nous devons marcher dans la puissance. The fire has not come to cause a stirring in your belly, and so you are sitting down complaining that demons are harassing you. Et parce que le feu n'est pas encore descendu sur vous, ce feu n'est pas encore venu sur vous, vous êtes assis en train de fire. Mais nous allons Father, let this fire fall on my head.